rassemblement d'aujourd'hui est l'occasion d'accueillir chacun dans sa diversité, de rencontre entre tous et de permettre à chacun de faire connaissance. On a besoin d'altérité, d'une collectivité. Quand je parle d'une collectivité, je parle d'un collectif. Alors ne vous inquiétez pas, messieurs dames, je n'ai pas une manifestation, c'est simplement l'anniversaire de madame Ginette. Les éléments un petit peu phares de cette semaine, alors ça a commencé aujourd'hui, ça continuera demain avec les scolaires qui vont pouvoir aller visiter l'écologement polygone, qui vont pouvoir aussi participer aux animations qui ont lieu devant la CAF. Mercredi, les enfants iront aussi au jardin partagé, découvrir le jardin partagé. Jeudi, c'est le centre social Cargomar qui va proposer plusieurs activités de création d'épouvantails au sein du quartier. Vendredi, la MIF va faire des actions de sensibilisation autour du handicap. Il y aura également une initiation à la langue des signes. Vendredi après-midi encore, à la garantie jeune, au contrat d'engagement jeune plutôt, il y aura plein d'animations, il y aura un tournoi de foot, il y aura des ateliers de relaxation. Et le soir, le centre social Cargomar organise un barbecue. Et pour clore cette fête de quartier, samedi prochain, dans la cour et sur le parvis de l'école Louise Michel, il y aura un grand buffet du monde. Puis l'après-midi, des jeux de kermesse avec un château gonflable. Et enfin, pour finir, il y aura une fête. La fête de quartier finit officiellement, mais continue au centre social Cargomar avec une soirée comme au camping qui aura lieu samedi au centre social. Voilà, et ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Merci d'être venus.